J'ai trouvé un petit boulot d'été chez Molini et c'est cette courte période qui m'a donné envie d'en faire mon métier. Avant, j'ai fait un diplôme AFP, aide-maçon, qui aide à former les gens qui ne sont pas très forts à l'école. Du coup, j'ai commencé bas pour maintenant que je fasse mon CFC. C'est un métier polyvalent où on peut faire un jour des murs, des dalles, couler du béton, faire du coffrage, poser des éléments préfabriqués. Et ça, je trouve super chouette, quoi. Je me verrais jamais être dans un bureau enfermé toute la journée. C'est aussi satisfaisant de se balader dans Genève et puis de voir un peu les endroits où on a travaillé, dire un peu aux gens « Ah, j'ai travaillé ici, on a fait ci, on a fait ça. » C'est important qu'à l'école, ils nous apprennent encore à travailler comme avant. Après, il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est que des chantiers modernes, donc à l'aide de machines. La première année, ce qu'on apprend, c'est vraiment le terrassement, les fondations, les outils. La deuxième année, on apprend plus les murs, les bétons, les mortiers, les ciments. Et la troisième année, on commence à lire les plans. On va vraiment dans la profondeur, dans la construction. S'il y a obtention du CFC, j'aimerais bien rester chez Molini. Après, on peut toujours évoluer. Les formations continues, chef d'équipe, contremaître. Moi, mon but, c'est un jour soit venir chef de chantier, contremaître, ou chef de façade, parce que j'aime bien aussi ça. Et mais bon, c'est avec les années, c'est avec l'envie, chaque effort a sa récompense. On n'est pas un numéro, c'est une entreprise qui reste familiale, malgré que c'est une grosse boîte à Genève. Si on est là, c'est pour apprendre, c'est parce qu'on a envie. Sinon, ça ne sert à rien de prendre des apprentis, c'est juste balayer, quoi. Moi, je dis, Molini, ça vient former les apprentis.